ce bâtiment énergie a pour objectif de sécuriser les alimentations électriques de l'établissement en cas de panne EDF liée soit à un défaut sur le réseau EDF, soit en période cyclonique. Il faut savoir que l'hôpital Félix Guyon est le troisième consommateur d'électricité sur la Réunion, après les deux sucreries. Donc on fait partie des très gros clients EDF. Notre impératif en termes de santé publique est de garantir la continuité des soins, quelle que soit la situation, et en particulier la situation météorologique. Il faut savoir qu'en cas de cyclone, on peut avoir une perte de l'alimentation EDF. Donc la centrale d'énergie est un bâtiment qui a pour vocation d'alimenter l'hôpital en cas de coupure d'électricité pendant plus de 3 jours en autonomie complète. Nous sommes déjà équipés d'installations de secours. Néanmoins, par rapport à l'évolution de l'établissement, la construction du futur bâtiment sont critiques, donc l'augmentation de notre périmètre. Nous savons que nous allons rencontrer une augmentation de notre besoin de puissance. Donc nous sommes obligés de mettre à jour nos installations pour pouvoir, en toute situation, alimenter l'établissement.